J'ai voulu faire la formation pour deux raisons. La première, c'était que je voulais me parfaire ma connaissance concernant des outils que je n'utilisais pas ou que je n'avais pas utilisés depuis quelque temps. Et le deuxième point, c'était pour l'aspect certification qui m'a vraiment intéressé dans l'offre de XL Formation. Chez XL Formation, l'adéquation parfaite entre ce que je recherchais et ce qui m'a été enseigné, c'est plus qu'un enseignement. Les exemples concrets sont bien choisis. Bien souvent, ce sont des expériences réelles vécues par ces formateurs consultants, aussi bien dans leurs expériences de consultants que leur expérience autre du passé. Et donc, on en retire vraiment des choses concrètes. On a tout de suite des applications qui facilitent la compréhension, tout simplement. J'ai pu voir que le travail durant la formation, qui est très basé sur, un, l'échange d'expérience avec les participants, et deux, le retour d'expérience du formateur qui vous fait part d'expériences que lui-même a vécues ou que certains de ses collègues ont vécues, particulièrement enrichissantes, avec des films, des exposés, qui fonctionnent plutôt bien. Tout ça est très pratique et on ne reste pas sur une théorie un peu figée, qui reste un petit peu en l'air et hors de tout contexte matériel. J'ai estimé qu'il fallait que j'aie recours à la certification pour pouvoir démontrer mes compétences à des clients éventuels, des prospects ou des gens que je connaissais déjà. C'est pas mal de travail. J'ai rédigé un mémoire complet. J'ai aussi été obligé de fouiller pas mal dans mes données, dans ma mémoire, pour ressortir les preuves des outils que j'avais mis en place, ce qui n'a pas toujours été facile, mais c'était assez intéressant. J'ai déployé au sein de E2V Semi-conducteurs à Grenoble, une société de microélectronique, une démarche d'excellence opérationnelle basée sur le Lean et le Six Sigma depuis 5 ans. Cette démarche a été assez complète puisqu'il s'agissait de déployer tous les outils du Lean mais aussi du Six Sigma. Je me suis rendu compte que finalement je pouvais accéder à une certification Black Belt Lean qui concerne le déploiement d'une démarche sur un site ou dans une entreprise. Et donc pour moi ça a été une opportunité que j'ai saisie. J'ai pu faire valider mes compétences en savoir-faire avec des outils à valider, des connaissances à prouver, en savoir-être également par rapport au comportement en tant que manager d'équipe et d'une équipe projet d'amélioration et de déploiement de l'excellence opérationnelle. Et aussi monter des dossiers par rapport à tout ce qui avait été fait au niveau des projets. Et enfin, j'ai effectué une restitution de cette démarche lors d'une journée de certification qui a permis de faire une bonne synthèse de tout le projet et également de reconnaître les équipes et le travail qui a été fait au sein de E2V.